Avant de partir, je me bois une petite chicorée. Je pense que je ne vais pas m'encombrer du réchaud, de la cafetière italienne. Je vais essayer de voyager plutôt léger, sachant que j'aurai déjà une météo pas très clémente et mon matos pour filmer, je vais pas m'alourdir plus, voilà, tout simplement. Donc je vais pas mal filmer avec mon portable, c'est pas la même qualité, mais là ce serait quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'espère que je pense que ça le fera quand même. Un petit parapluie, je me suis dit, c'est pas pour le poids qui pèse. Et voilà, bah du coup, je suis plutôt contente. Parce qu'il pleut pas des masses. Mais quand ça dure longtemps, on finit par être bien trempé quand même. Donc voilà, et puis en même temps, ça me permet de pouvoir un petit peu abriter mon appareil photo qui, comme je vous l'avais déjà dit, il n'est pas tropicalisé, donc il est content d'être sous le parapluie lui aussi. Franchement, du coup, ça se fait plutôt bien à randonner comme ça sous parapluie. Le seul petit bémol, ce serait le vent, parce qu'évidemment, le parapluie s'arracherait. Mais là, comme je suis en forêt,
Du coup, il n'y a pas trop de vent et ça se fait plutôt bien, quoi. Une petite ambiance brouillasseuse, comme j'aime. Du coup, j'ai rangé mon parapluie et je continue dans cette petite ambiance blanchâtre que j'adore. Je suis pas allée jusqu'au bout de la randonnée. Elle était censée aller jusqu'à Payerolles. Mais d'un coup, il m'est venu l'angoisse de me dire que ce ne serait pas une boucle. Et qu'une fois que tu arrives à Payerolles, que tu as fait les 8 km, tu es bon pour refaire 8 km pour revenir. Et donc ça, ça me disait moyen. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que faire des prises de vue en même temps que randonner, ça prend vraiment beaucoup de temps, quoi. Donc pour une randonnée d'une heure, si tu veux trouver des jolies prises de vue, faire un petit peu des choses originales, un petit peu travailler, tout ça, bah t'y passes vite 2 heures finalement. T'as double le temps, quoi. Puis si en plus de ça, tu vas avec une autre personne, il faut que, voilà, l'autre personne joue un petit peu le jeu et ça peut encore plus rallonger. Donc c'est pour ça que quand j'ai l'occasion de faire des petites vidéos seule, je le fais. Ça me donne l'opportunité de travailler un petit peu plus, d'apprendre. Et voilà, après, quand j'ai un petit peu plus l'habitude et que je suis avec une autre personne, du coup ça va plus vite, je sais ce qui fonctionne bien, je sais ce qui est joli, tout ça. Parce que là, vous, vous avez que le rendu réussi et fini, enfin réussi, on va dire, approuvé. Mais il y a toute la partie que vous ne voyez jamais, qui est la partie ratée. Et du coup, il y a beaucoup de tentatives, en fait, pour arriver à quelque chose de bien. Il y a beaucoup de choses qui sont bien une fois faites. Mais au moment du montage, je trouve que c'est pas pertinent. Et donc je le mets pas. Du coup, j'ai perdu du temps de prise de vue pour rien, quoi. Donc voilà, c'était la petite histoire de pourquoi les randonnées sont peut-être courtes pour ceux qui les connaissent. Et également pourquoi je suis déjà de retour. En plus, j'ai pas mal randonné en forêt ces derniers temps. Et ce qui me disait le plus, quitte à se déplacer un peu, c'était vraiment la montagne. Et là, du coup, on était quand même avec une vue un peu bouchée. Je me suis dit, tant pis Marjo, on fait demi-tour parce que là, si ça dure... pendant des heures jusqu'à Payerolles. Voilà quoi. Ça, tu vois, c'est un truc qui m'intrigue. Rocher dépendu. Peut-être une prochaine randonnée.